Merci, Madame Tambati Moussa. Je suis de Wieni. Je me suis basée à la culture, les traditions pour les sauvegarder. Donc, je fais aussi le masque de beauté de Sinzano que je préserve, que ça se fait. C'est mon but de sauvegarder les traditions, parce que je vois que c'est rare de voir le masque de beauté qu'on fait là, avec les dessins. C'est rare, il n'y a personne qui sait le faire. Donc je dis, je me bats vite de les apprendre aux jeunes pour que ça reste. Le Sinzano, c'est notre beauté, c'est la beauté de la femme. Ça sent bon, c'est naturel, ça parfume, ça fait belle aux femmes. Oui, c'est notre masque de beauté de tous les jours. Non, j'aimerais bien faire tout le temps, bien souvent ou tout le temps. Dès que je trouve un beau produit comme celle-ci, moi, je suis prête à continuer. Ah oui, oui, beaucoup. Par exemple, les cheveux Matavoie, les cheveux, il y a plusieurs noms de cheveux, mais on ne les voit plus. Chacun, il tresse à la façon d'aujourd'hui. Les Mapuka et autres, mais les cheveux à l'époque, on ne les voit plus. Même le Sinzano, il y avait Kumungumungu, c'est avec le truc de maïs là, une épi de maïs, oui. On le fait, ça s'appelle Kumungumungu. Il y a beaucoup de façons de faire le Sinzano à la main, avec un épi ou autre, mais maintenant on ne les voit plus. On ne les voit plus. Donc moi je veux les transmettre, je veux les montrer, les apprendre aux jeunes pour que ça reste. Parce que c'est mon but de sauvegarder toutes les traditions qui se font. J'aime bien. Peut-être il y a d'autres personnes, mais moi, je me vois et tout le monde me voit que je fais, je sauvegarde, je l'apprends aux gens, je les parle, je leur parle, je le fais partout où je vais. Tout le monde me voit, je ne suis pas cachée, mais on me voit partout. Donc, peut-être c'est pour ça qu'on m'appelle la gardienne, pas pour moi. Il y a par exemple ça, c'est un truc très longtemps, la date, daté de 1930, ça s'appelle Patsou. Ça, Patsou sert à faire, à couvrir les trucs. Ça, c'est un récipient pour mettre dans l'eau aux toilettes. À l'époque, hein, pas maintenant, tout est perdu. On ne l'utilise plus, on ne le fait plus, on ne le pratique plus. Donc moi, je le sais vous garder là. Ça, c'est depuis ma mère, depuis le mariage de ma mère. Ma grande sœur, ma mère l'a gardé jusqu'à ma grande sœur. Et puis moi, je suis mariée le jour de mon mariage. C'était ça qu'on a utilisé. Et mais il y en avait deux, il y avait ça et l'autre. Et ça. Ça, c'était pour l'eau, pour le récipient, mettre l'eau dans la maison, dans la chambre, comme un frigo. Donc, quand on met l'eau là, c'est frais. Et puis, on couvre avec ça. Et on laisse le capot là. Là. C'est ça le récipient qu'on prenait de l'eau. Il y en avait trois. Un dans la chambre, un aux toilettes, un à la cuisine. Parce que
on prenait l'eau dans une quelque chose, c'est ça. Et ça, on prenait dedans pour se doucher. Tu vois? Donc, il y en avait trois. Il y a une autre pour boire. Et l'autre à la cuisine. En plus, vous avez la valise. C'était ça. La valise de l'époque, c'était ça. Donc, les mariés, ils mettaient tout dedans. Donc, ça, c'est depuis ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est l'état de ma grand-mère, ça. Elle mettait ses habits dedans. Et c'est une valise. Maintenant, on appelle valise. Mais à l'époque, on l'appelait boueta. Boueta. Donc, elle mettait tout ce qu'il y a. Donc, après, dedans, tu peux trouver le lit du poilou. C'est une maquette, hein. C'est une maquette, mais à l'époque, c'était comme ça. Le tamis, à l'époque, c'était comme ça. C'était en bois, mais c'était pas comme ça. C'est le chioni, le manche de chioni. Ça, depuis que j'étais à chioni, je l'ai gardé. Et puis, ça, c'est le mahari, la dot de la mariée. C'était un gros, parce que j'ai dit comme ça, pourquoi? À l'époque, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas beaucoup comme aujourd'hui. Mais à l'époque, le marié ou son papa, s'il avait beaucoup de zébus, on lui donnait la mariée ça. Et puis son papa, il va dans son troupeau, il va choisir un zébu. Et c'est pour elle, c'est la dot. Et ça, c'était le moulinex de l'époque. Donc, on met les œufs dedans. Et ça faisait très bien les œufs. On faisait des gâteaux au bout. Mais maintenant, on ne le fait plus. Et ça, c'était le collier de Guanaros de marié. Tu vois, c'était le collier de le marié. Ça, bien sûr, c'était le ventilateur éventail. Parce qu'il n'y avait pas de ventilateur à l'époque. C'était le CEO, le seau. À l'époque, c'était le ça. Le seau. Et ça, on posait sur la tête avec quelque chose, bien sûr. Puiser l'eau, c'était avec ça. C'était le seau à l'époque. Les marmites. C'était comme ça. Les marmites. Et on cuisinait dedans. Et puis, ça, c'était pour conserver le lait. C'était les litres, il n'y avait pas de litres, des bouteilles. C'était avec ça. Ça, c'est un tourlet. C'est abîmé, hein? Mais je laisse comme archive, parce que j'aime bien. Et ça, c'est pour faire le feu. Ça, c'est la lampe qui éclairait à l'époque. C'est la lampe qui éclairait à l'époque. C'est la lampe à pétrole. On a une mèche du pétrole et ça allume. Et ça, c'était pour suspendre dans les deux pièces. On séparait les deux pièces et ça éclairait les deux pièces. Ça. Et ça, c'était pour écraser la canne à sucre. On mettait la canne à sucre dedans. Et puis à plusieurs, au moins une dizaine ici et une dizaine là. On tournait. Et ça écrasait là. Et puis le jus, il coulait ici sur quelque chose. Et on récupérait le jus. Après, on faisait du sucre. Et c'était local, c'était naturel, c'était traditionnel. Voilà, on trouvait. Et ça, c'était pour prendre le pétrole. On prend le pétrole dans un récipient, un peu on met là, dans une bouteille, dans la lampe, tout ça. Et ça, comme ça, on ne mettait pas du pétrole partout. Voilà. Bon, il y a beaucoup de... Ça, c'est les marmites. Ça, c'est les marmites. Pendant les mariages, les parents, ils faisaient ça beaucoup, beaucoup. Ils fabriquaient beaucoup, beaucoup de grosses, plus grosses que ça. Ils cuisinaient dedans. Le mariage de ma mère, ils ont cuisiné dedans.
Mais moi, on a cuisiné dans les marmites, dans les vraies marmites. Tu vois ça, il y aura chimbia. Chimbia. On peut préparer du poedza, du poulpe, du batabata, du mataba, de tout et tout, on peut le préparer là-dessus. Voilà. Oui, oui, bon. Il ne faut pas m'écouter, hein. Il ne faut pas m'écouter, mais moi je lance mes idées de sauvegarder notre tradition. Parce qu'il n'y a personne qui va sauvegarder notre identité. C'est nous-mêmes. Après, un pays qui n'a pas de culture, tradition, c'est comme un pays qui n'a pas d'identité. Après, l'identité, c'est la vitrine d'un pays. Donc, les gens, les touristes, quand ils viennent dans un pays, ils aiment bien voir les traditions de ce pays-là, les cultures, le manger, la culinaire, l'habillement, les traditions, la campagne, est-ce que c'est pareil de chez eux? La façon de préparer la cuisine, ils aiment bien participer à faire la cuisine, aller à la marée basse, attraper les poulpes, tout ça, aller à la plage, aller cultiver le paddy, faire tout ça, moi je les montre, faire la pêche au djarifa, c'est-à-dire la pêche au tissu, et moi vous me voyez à la télé, je me suis vendue, comme on dirait, je me suis vendue de faire tout ça avec ma propre pensée. Je le fais parce que j'ai peur que ça se perde complètement. Peut-être, il y en a un peu qui va aimer, parce qu'il faut aimer pour faire quelque chose. Mais si on n'aime pas, on laisse tomber, on le pratique un petit peu, après on laisse. Mais moi, depuis les années 89 que j'ai commencé à aimer, à pratiquer, à faire, à sauvegarder, à apprendre, à initier, à aller partout, à les montrer un peu partout, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes là, peut-être vous êtes même pas né. Et voilà, vous êtes née, vous êtes grande et vous me trouvez toujours dans la culture. Quand on parle de la culture, c'est en bâti. Donc, Dieu merci, je suis très contente, je suis fière de moi. J'ai même 4 médailles. J'ai une médaille Arts et Lettres, 3. J'ai une médaille Arts et Lettres. J'ai une médaille de l'Assemblée nationale. J'ai une autre médaille de Chevalier national d'ordre de mérite. Et j'ai eu une autre médaille de stand d'or. La foire de Paris, ils m'ont donné un stand d'or. Je vais avec moi. Tout ça, c'est mon jitihad, les efforts, oui, c'est. Donc, j'aime. Est-ce qu'aujourd'hui tu es fière de toi? Je suis très fière de moi, je suis très contente. Malgré les filles commencent. C'est vraiment aujourd'hui, depuis hier, très contente parce que j'ai trouvé deux groupes bien soudés qui ont fait, qui ont appris à faire des masques de beauté. Merci beaucoup à tout le monde, à tous les participants.